parce que c'est le produit des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des dirigeants de l'entreprise qui permettent d'avoir des bateaux comme cela. Et que vous êtes dans une lutte permanente pour être les meilleurs. Une espèce de compétition à l'échelle du monde. Pour savoir qu'à Saint-Nazaire, c'est là qu'on construit les plus beaux bateaux, les plus grands bateaux, les mieux équipés. Moi-même, je ne pouvais même pas me rendre compte. C'est pour ça que je remercie les élus de m'y avoir invité et la direction de m'avoir permis de visiter ce chantier. Je ne pouvais même pas imaginer que sur un bateau, il y avait autant de technologies, autant d'agencements, autant de métiers, tout ce que vous représentez, pour faire un bateau d'une exceptionnelle qualité, d'une singularité, avec des pièces de réception, des salles de spectacle, des restaurants, des bars, on me dit même une piste de jogging, je ne l'ai pas encore vue, une patinoire, une piscine, des piscines. Et c'est tous ensemble que vous êtes capables de faire ça, avec cette diversité de compétences et cette pluralité de métiers. Alors il faut que nous puissions vous donner toutes les chances pour gagner. C'est parce que vous êtes ensemble dans ce chantier, dans cette entreprise, que vous gagnez. Eh bien, c'est parce que les Français seront ensemble qu'ils gagneront eux aussi à être l'une des plus grandes nations du monde, comme vous, vous êtes capables de faire le plus grand paquebot du monde. Merci.